Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, en cette fin d'année, je voulais tout d'abord d'ores et déjà vous souhaiter un joyeux Noël et vous lire un petit extrait de mon livre « L'ange au confort des rêves » qui est sorti aux éditions Percé en 2021, avril 2021. Donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit sur le thème des anges et de l'ange gardien. Et j'ai écrit un petit passage sur Noël, donc je voulais vous le lire. Voilà. Demain, c'est Noël. J'aime particulièrement cette fête qui vient clore chaque année. Un moment que nous aimons passer auprès de ceux que nous aimons. Un moment où je ne peux m'empêcher de penser aux anges. Il y a toujours le jour de Noël comme un sentiment de paix qui m'envahit. Noël, c'est aussi le moment de faire la paix avec certaines personnes et à laisser de côté nos anciens démons aussi. On dirait presque que le temps s'arrête. J'ai une pensée pour mon ange qui n'a eu cesse de veiller sur moi tout au long de l'année. J'ai envie de lui dire merci d'avoir protégé ma vie, de me permettre d'arriver à ce jour si heureux. J'aime vraiment l'ambiance de Noël. L'hiver me semble plus gai et coloré pour le coup. J'ai l'impression qu'à Noël, les anges ont aussi envie de faire la fête avec nous. Toutes ces guirlandes multicolores, c'est clair, elles sont tout simplement magiques. J'aime particulièrement les étoiles que l'on trouve en cette période de l'année pour décorer le sapin. Peut-être qu'un jour, une étoile de Noël m'a parlé et qu'elle m'a dit que les anges existent, qu'un jour je trouverai le mien quand j'étais enfant, qui sait. Le Père Noël n'existe peut-être pas, mais en fait, si. Il est passé pour moi, comme chaque année, pour me rappeler mon plus beau cadeau, un ange. C'est aussi le moment de remercier tous les anges pour ces belles personnes qui font partie de ma vie et avec qui j'ai passé des moments merveilleux tout au long de l'année. Cette année, je me laisserai encore envoûter par la magie de Noël. Je me sens radieux. Merci de veiller sur moi, cher ange gardien. Et bien voilà, c'était un extrait de L'ange au confort des rêves aux éditions Percé. Donc j'espère que vous avez pris plaisir comme moi à écouter ce petit passage de Noël. Je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, vraiment un joyeux Noël. Bon, je m'y prends un peu à l'avance, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui aimeraient commander mon livre, je vous laisse le lien en bas de la vidéo, le lien Amazon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.